na ba jeune nyonso oyo bazolanda biso na bisika bozali tolobi matondo mingi po na batu nyonso oyo bandima kolanda Congo Live Television ndenge bozo bozalaka toujours wana bozalaka toujours fidèle. Vous avez toujours été là pour nous suivre, vous avez toujours été là pour nous accompagner, vous avez toujours été là pour dire à nous à l'insécurité dans l'est du pays na lelo tozo pesa bino mbote na bisika bozali na lelo tozo pesa bino mbote matondo mingi na ba jeune nyonso oyo baza déterminé lelo na lits ya komona esengeli mboka na biso échanger baza la ba jeune opposition baza la ba jeune ya ya majorité nga personnellement na lobaka ba jeune ya majorité na ya opposition bazalaka te biso nyonso toza na lits moko eza kobongisa mboka oyo toza na lits moko eza kosala eke mboka na biso lobi to lobi kuna yango pe etosama pe ezala considéré lokola ba mboka na kati Yamukili. Voilà donc, nous sommes encore là pour ce nouveau décryptage. Nous venons encore pour vous donner les informations au cœur de l'actualité. Quelles sont les actualités ce 2 juin 2024? Comme je vous l'avais dit, mois de juin est parmi les mois où est Markaka, République démocratique du Congo. Parce qu'il y a dans le Bakango, le 30 juin 1960, c'est l'un des jours où est Markaka, Makambonakati, la République démocratique du Congo. Il y a un autre jour, Banda Sanza, il y a juin. C'est-à-dire, d'ici le 30 juin, il y a un autre jour, il y a un autre na bambula oyo esalema ke depuis esalema lelo tuza na independance mutuna na zotuna na ba congolais est réellement depuis tolobama et toloba ba ebisa biso s'il vous plaît depuis on nous avait dit que nous avons l'indépendance est-ce que aussi tozo indépendance est-ce que tozo ka colonisé sur le plan économique sur le plan politique na ba plan nyonso est-ce que lelo tozo indépendance c'est pourquoi ba commentaire ezala kana place nango affiché est-ce que lelo Tozan a indépendance et ceux qui indépendance est athée. Donc ceux qui est ali, du pourquoi, justifiez-vous. Ceux qui est athée, justifiez-vous. Nakati yaba commentaire. Dames et messieurs, nous venons ici pour cette nouvelle actualité qui circule sur la toile, qui aujourd'hui laisse plusieurs questions entre les Congolais. Et puis les Congolais se demandent ça, quelle sera la suite. Parce que même troupe wana toyoki ke kweisa ki mboka oyo ezalaki ya malonga mboka oyo ebengaka makana lopoto windi eza même troupe oyo eye lelo koloba eke eye pona ko libérer pe mboka wana c'est après de multiples tentations ya ba rebelle du 23 komona boni bakozwa cité ya Kanyabayonga là nous sommes aux limites du territoire ya Rutshuru et du territoire de Lubero, au nord de la province du Nord Kivu. Bah, tentation est salemaki, les lots, je vous dis qu'ils sont à 15 km de la cité de Kanyabayonga, c'est-à-dire ils ne sont pas encore à Kanyabayonga, la rébellion du M23. Mais qu'est-ce qui va nous intéresser au-delà de ces affrontements que nous avions entendus se déclencher dans cette partie de la République démocratique du Congo? Après l'opération Springbok qui a été lancée par la MONUSCO pour sécuriser la ville de Goma et la cité de Sake ainsi que le territoire de Nyiragongo, la mission annonce les opérations de patrouilles mixtes avec les FRDC OFF pour sécuriser la cité de Kanyabayonga. En outre, je voulais dire quoi? Depuis hier, c'était aux environs de 16h-17h. Une information nous est venue fraîchement de Kanyabayonga, comme vous êtes en train de l'observer sur ces images, que la MONUSCO vient d'arriver à Kanyabayonga. MONUSCO est commune à Kanyabayonga. Lelo, Tozali, Bayeyo, Bazolo, ba MONUSCO, Koya. Et ça bien. Mais mission réelle, au-delà de la mission Oyo Balobaka, mission Oyo Tinda Bango, mission réelle na Bango Ezali Nini. Kokoma na Bango na Katia Mboka, Kokoma na Bango na Katia ya Kanyabayonga, pendant qu'il y a des problèmes Oyo Tiki Koleka, il n'y a même pas encore 2 mois que la cité,
oyo ruindi ekweya ki soleil impuissant ya Monisco oyetika ki koloba eke makambo oyo zo salema la même population qui avait observé comment est-ce que parce que ce sont les analystes indépendants qu'il faut savoir cela que mission ya Springbok echouaki qui visait à sécuriser le territoire de Nyiragongo, la ville de Goma, la cité de Sake. Mais cela a affiché d'une souris. La même Monisco, pendant qu'elle est dans l'opération de retrait, Bazomi retiré, nous entendons la même Monisco à Kanyabayonga. Suite au récent combat lié à l'offensive du M23 dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, les casques bleus de la Monisco et les FRDC ont mené des opérations conjointes pour sécuriser les personnes déplacées et leur fournir des soins médicaux, indique la mission de l'ONU en RDC. Bas service Nabiso Ezawapi. Est-ce que nous avons nécessairement besoin de la Monisco pour établir la paix dans l'est du pays? Yangona bandagi koloba eke. Namakambo o ezo sale manakati ya mboka na biso. Il y a des choses o sengeli to zwa o serie. Je le disais avant-hier et cause à deux jours passés déjà. Il y a des choses o sengeli to zwa o serie. Parce que ce de zwa o serie était il y a des situations o eko demeurer pour toujours. L'insécurité dans l'est du pays aujourd'hui ça fait 30 ans. Que Bitumba ezali. Ça fait 30 ans qu'il y a la guerre dans l'est du pays. Et aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'espoir que cette guerre pourra prendre fait. Pourquoi? Attitude oyo toujours je la bitumba oyo. To beti bango, to neutraliser bango, mais d'un côté yo ki bazongili sous. To beti bango, to neutraliser bango na mandat président ya koya, il voudrait encore réapparaître. Et nous d'abord congolais, biso nan. Biso ba congolais. Comment est-ce que nous prenons cette affaire? D'abord nous. C'est pourquoi je disais il y a deux jours, les gens qui ont été nommés comme des ministres, les gens qui ont été reconduits à leur poste, les gens dont on, les gens ont basala qui va permutation dans les différents postes et sengeli ba yeba, nous voulons que le pays change et nous ne voulons plus observer ce scénario, bas scénario oh ça le mara toutefois et que on veut prendre ça comme une routine, comprendre que c'est normal aujourd'hui et Sengeli et Salema. Il y a des journalistes qui s'investissent dans cette affaire. Il y a les hommes politiques qui s'investissent dans cette affaire. Il y a des jeunes engagés. Mais on se demande la question, pourquoi est-ce que la guerre ne veut pas finir? Je suis parmi ceux-là qui estiment qu'il sera important que Toloba 30 juin, il y a 30 jours, ça reste 28 jours. Pendant que les rebelles ne se replient sur les sols congolais. Cher président Félix Antoine Tshisekedi, voilà la demande de la population dans l'est du Kivu. D'ici peu, vous aurez 6 ans à la tête du pays. La préoccupation ne sera seulement pas la guerre. Parmi les 10 ans, le seul bilan dont vous allez présenter le peuple congolais ne sera pas seulement que la guerre dans l'est du pays. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges. C'est pourquoi il faudrait alors voir comment est-ce que cette année ne doit pas finir sans que vous mettez fin à cette guerre dans l'est du pays? Ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan militaire. Parce que désormais, à cette heure, Bounagana n'est pas à nous. Et nous devons voir comment est-ce que nous allons récupérer Bounagana. Nous devons voir comment est-ce que nous allons nous débarrasser de la Monisco qui a failli depuis 25 ans sur le sol congolais. Mission des Nations Unies pour rétablir la paix, ça n'a pas tenu. La paix n'est pas revenue jusqu'à présent. Il n'y a pas la paix. Qui m'y a exalté? Et nous estimons qu'il est temps que les choses changent. Il est temps que la paix revienne. Avant le 30 juin, nous voudrions bien voir, écouter que ces localités sont libérées. Je ne sais pas beaucoup combien partagent ce même avis que moi. C'est même avis que moi, qui est le 30 juin et que Bitumba Ezala ici et Sili. Sinon, on ne sait pas, en mémoire de quoi on va dire cette indépendance. On parlera de cette indépendance
On parlera de l'indépendance sur base de quoi? Si les rebelles seraient encore à Bounagana. On parlera de cette indépendance sur base de quoi? Si désormais Rubaya sera encore occupé par les rebelles. Ainsi, nous voulons voir une pression exercée sur ces gens. Tolingi Tomona, pression. Monisco eye, ezana Kanyabayonga. Bino bozana diaspora, Monisco ekwa isaki ruindi. Bien qu'il y ait une partie des responsabilités na biso, mais na mission na bango ya ko rétablir pe ruindi esengela kite ekwea. Ndenge bango babandaki komona bonne. C'est une vidéo qui était circulée. Comment est-ce que les rebelles entraient et ils observaient? Aujourd'hui, ils sont à Kanyabayonga. Nous allons comprendre ce qu'ils sont à Kanyabayonga. Et que Kanyabayonga est quoi? Parce que Bakomi, parce que c'est aussi une idée des gens qui confirment que wana Kanyabayonga est quoi? Kanyabayonga n'est pas encore tombé jusqu'à présent. Et Zana Maboko, il y a ba FRDC. Ce qui Monisco est commis, la population demande que cette mauvaise politique de la Monisco ne soit pas aussi jouée à Kanyabayonga pour faire tomber cette cité tellement stratégique. En mars dernier, la plaine de la Rwindi était tombée sous la coalition M23. Sur une vidéo authentifiée, l'on voit l'entrée de militaires de M23 à Rwindi passant calmement et sans crépitement de balles devant la grande base de la Monisco dans la zone. Ils ont pris le contrôle de la cité, pêche de Vichumbi. Les casques bleus se sont retirés dans la zone, abandonnant Rwindi aux rebelles du M23. Dans la cité de Kiwanza, la Monisco a également laissé sa base avec un charroi automobile et des maisons préfabriquées. Cette zone est sous contrôle de M23. Dans la cité de Sake, la population a manifesté plusieurs fois pour dire non à l'opération Springbok dans la zone. La mission a été obligée de quitter ses positions proches de la cité de Sake. Cette cité reste jusqu'à présent sous contrôle de l'armée congolaise. Elle est cependant victime des bombardements de la coalition M23, RDF, AFC. Donc, Monisco est là qui n'a pas hauteur dans les territoires de Masisi, cité à Sake. Mais ils ont été accusés de collaborer avec l'ennemi. Batikela Kibanguna, Biloko et tout le reste. Monisco Oyo, Bango Basala Nini Nakati Amboka Oyo Pugeto Kimisa Bangote. Ce mission n'a pas échoué. Bazongi, c'est simple que ça. Mais c'est simple, Bakende. C'est simple que ça. Nous ne voulons plus de la Monisco parce que la Monisco a montré ses limites. Et la nouvelle génération est là pour dire la guerre doit prendre fin. Bitumba Esengeli et Sila. Et ça, les Madales de la République démocratique du Congo, plus de 30 ans, 13 millions de personnes ont perdu la vie et c'est assez. Nous ne voulons plus continuer à encaisser, à enregistrer le mort dans l'est du pays. Que le président de la République, Toyebi, Aza Moko Yabatu, Oye Bazana Souci, à Komona Bitumba Esila. Mais politique et Nini Oto, ça pour imposer la paix. Parce que ce qu'on nous a récupéré dans Mindouki, ce n'est pas la diplomatie de Kozongi Selabiso Yango. Eza Mindouki, Mandouki, de Kozongi Selabiso Respewana. Arrêtons de parler Kagame, 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 entrons sur scène et imposons la paix. C'est la seule solution. Alors, on sera en train de finir pendant. Je récapitule ici de ces événements qui ont brigué. Qui ont fait. Qui étaient sur la toile, voulais-je dire alors, qui étaient sur la toile toute cette semaine, parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, les actualités qui étaient sur la ligne. Mais avant de parler cela, il y a une grande nouvelle, laquelle plus de 27 officiers
Il était des majors, des capitaines, des colonels, des lieutenants. C'était des officiers. Pas de M23, mais de RDF, de l'armée rwandaise, ont été neutralisés. Ils ont été repérés en plein Mbrousse. Donc, les Akina Zamba, les colons Angomba, ils ont été repérés dans le drone, il y a FRDC. Ainsi, ils ont été neutralisés. Ils ont été neutralisés, repérés par le drone des FARDC et on a bombardé Bisikawana. Ata moutou mon côté, Abimaki. Nenge bozota na ba image, ata mon côté na katz na bango, oye Abimaki. C'est ce que nous voulons voir, c'est ce que nous voulons observer. Nous voulons voir armée et continuer, et lâcheté, mais et continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, Essengeli t'a accordé la monoscope bénéfice à doute, toi Essengeli t'a douté kakapoto le baba zonga et pana bango, tolingi bangote. Ba FRDC ba zala motivé. Que les généraux ba bima ba kita sur le plat, sur le terrain. Ba konziba kita pour voir comment est-ce que nous allons imposer la paix. Si un petit pays comme Burkina Faso, les lois besoin imposer respect. Si un petit pays comme Bujumbura besoin imposer respect, à combien plus forte raison le grand frère RDC? À combien plus forte raison RDC? Il faut bisopeto sengelito imposer respect. Et cela se fera d'abord sur base y a conscience nabiso. Parce que si on ne veut pas mettre la conscience, si on ne veut pas prendre les choses au sérieux, si on ne veut pas manifester notre volonté de changer les choses, donc on ne changera pas. C'est notre travail de faire ce que nous devons faire pour voir comment est-ce que Mboka na biso ekokende liboso. Alors, voici donc les actualités qui ont marqué la semaine qui vient de s'achever aujourd'hui. Quelques événements ayant marqué la semaine du lundi 27 au 2 juin qui est aujourd'hui. Il y a eu d'abord publication du gouvernement souminois que plusieurs aujourd'hui estiment que Batie Bango po basala musala koi bambongo te kosala ba avantirte. Intensification des combats dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Implication des troupes de la SADC aux côtés de FRDC. Au-delà de ça, lancement à l'ICASI de la construction d'une usine de production d'explosifs et équipements militaires. Affaire Tchebea, 14 ans après son assassinat et celui-ci de son chauffeur Bazana. La famille et les ONG DH, Droits de l'Homme, réclament un deuxième procès pour la comparution des hauts gradés militaires incriminés. Atterrissage, ici on parle de l'atterrissage, il y a avion Oyo, il y a Qatar Airways na Katia Mboka na biso Kinshasa. Lancement des offensives contre les ADF à Mambasa par les FRDC et le UPDF. Et là, on est toujours déploré que les Sénégalais ba kata relation Oyo et zana UPDF parce que le UPDF bazaba noko ya Rwanda et nous ne sentons pas cette collaboration. Et Sunga Bisoté, nous ne sentons rien de facilité. Bazo facilité biso le côté parce que baza ba collaborateur na ba agresseur na biso. Nous ne pouvons pas faire aujourd'hui confiance à l'Ouganda parce que l'Ouganda c'est les oncles, l'Ouganda c'est l'oncle du Rwanda. Baza ba nilotique. Ceux qui baza na grand frère na bango oyaza Kenya. Bakoza na petit frère na bango oyazali Uganda. Na propre fils na bango oyakozala Rwanda. Alors nous ne voyons pas à quoi le Congo sera bénéfique na collaboration ya Batouana. Nous ne voyons pas. Et sengeli les autorités ba cesser de fois les sentiments et puis ba yoka kabiso. Il y a des choses dont nous ne pouvons pas signer pêle-mêle. Tondi mela kabango. Nous n'avons pas des intérêts dedans, tokotate. Nous ne sommes pas obligés à être en bonne collaboration à Bango. Ceux qui Bango balingite cause en bonne collaboration à Bisso. C'est soit nous, soit eux. Ceux balingite tout ce qui.
C'est eux qui profitent de nous, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas des intérêts sur Rwanda. Nous n'avons pas des intérêts sur Kenya. Nous n'avons pas des intérêts sur Ouganda. Même pas Tanzanie. Surtout le Blarango Bongo. Nous n'avons pas des intérêts. C'est eux qui ont des intérêts sur nous. Ils fabriquent des choses, ils envoient dans notre pays. Bazo fabriquer batini na pays na biso. Bisonde to sombi, bisonde to consommer. Bisonde marcher na bango. Et puis après, bakoya ko bisa biso que non, la RDC et ko bénéficier bénéficier nini. Fati beto to bénéficier nini na Rwanda. Qu'est-ce que nous allons bénéficier chez Ouganda? Mobilisons la jeunesse. Mobilisons la jeunesse. Conscientiser la jeunesse. Bakende na armée. Ba doté bango mbongo. Pe na ba équipement nyonso. Ba kota na zambao. A des fois neko si la. Eko si la. Si l'Ouganda est impliqué dans cette affaire. Et c'est le même Ouganda que nous amenons aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre. Nous amenons même Ouganda pour mettre fin à cette insécurité des ADF à Beni. Nous n'aurons pas de résultats. Donc on a résultaté. Conscientisons les jeunes, recrutons les jeunes, formons les jeunes, des jeunes conscients, des jeunes qui ont des morales de cette nouvelle génération. Nous n'avons pas besoin d'une autre armée pour défendre notre propre sol. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là pour défendre notre propre pays. C'est d'abord nous. On n'aura pas à dire. Naba salon diplomatique de Rolobate. Nde boyoka mukolomoko toye tozola to fandi boye. Ba ebisi biso mais vous êtes capable de quoi? Et nous aurons propre honte. Nous aurons honte face à nous-mêmes. Et pour arrêter cela, il faudra aujourd'hui que nous puissions être conscients de nos actes, conscients de tout ce que nous faisons. Et assumons nos responsabilités. Tout assumer ma responsabilité, Nabiso. Si on considère que déjà avec Laurent Désiré Kabila, on n'a rien eu comme résultat. On considère déjà qu'avec Joseph Kabila, 18 ans, on n'a rien eu comme résultat. Premier mandat à Fati. Basekous, Nabasekous, rien n'a été fait. Si on considère cela, les 5 ans Fati Oyakosal, Yango Pesa, il y a un problème, boy. Donc, on aura déjà plus de 34 à 32 ans. Pays Zakaboué. Et rien n'a changé. Il est temps de changer les choses dans ce pays. Il est temps que les jeunes soient conscients. Il est temps que Batikabou Zoba. Il est temps que chacun assume ses propres responsabilités. Batoubazo Tiamanaba ministère. Ils partent travailler. Et avec ça, il faudra avoir une justice aux Ezali vertébrée. Aux colonnes vertébrales et télémie à bien. C'est pourquoi Constant Moutamba, vous avez des défis à relever. Vous avez des défis à relever. Et qu'est-ce que je le dis toujours ici sur Congo Live Télévision, qu'est-ce que la RDC retiendra de vous? De votre passage au ministère de la Justice, qu'est-ce que la RDC retiendra de vous? Ba propos nayo et influence à Kaba Congolais. Wana maintenant vous êtes sur l'exécutif. Qu'est-ce que vous allez faire? Merci mesdames et messieurs, c'est la fin de ce décryptage. Retenez donc que Monisco est allé à Bunagana. Qu'est-ce que vous personnellement vous envisagez? Bakende Batika, la Basala Nini. Est-ce que vous estimez une réponse favorable du côté de la Monisco à Kanyabayonga, pas Bunagana, mais Kanyabayonga? Affiché dans les commentaires. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Moutouo ya même la cabine au Basango. Chaque jour, il y a ma Kambozo Salemana Est. Ozana Lissungi, pour que toi améliores qualité à Moussala Nabiso, parce que ça demande aussi les moyens. N'hésitez pas de nous contacter au plus 243 9 93 46 71 93. Merci mesdames et messieurs, bon dimanche à vous, bonne journée dominicale chez vous et à demain pour d'autres actualités.